بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. On s'est compris? Dis صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. محمد attention attention محمد صلى الله عليه وسلم. Sérieusement, sincèrement, du cœur, vraiment de ton cœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Engagement de paix toujours. Qu'Allah vous guide. Essayons de trouver un terrain d'entente. Essayons d'être souples, flexibles. Et ouvrir surtout nos cerveaux et nos cœurs pour enfin trouver la paix et installer la paix dans le monde. La paix ne descend pas du ciel, ne dépend pas des rêves. Chacun de nous est responsable de cette paix et nous devons tous œuvrer pour qu'elle s'installe petit à petit. C'est l'histoire de Gary Miller. Gary Miller, pour ceux qui ont suivi Ahmed Deidat, le grand Ahmed Deidat, alayhi rahmatullah, il faut que je consacre quelques interventions à Ahmed Deidat, mais Inch'Allah, ça va arriver. Que Dieu me donne la vie jusqu'à ce que je puisse faire toutes les vidéos que je voudrais, Inch'Allah. Mais je le ferai avec grand honneur. Donc, ceux qui se rappellent de Ahmed Deidat, il avait fait des conférences connues mondialement, normalement, qui sont très très connues. Il avait fait une des conférences avec un certain évangéliste qui s'appelle Gary Miller. Donc écoutez l'histoire de cet évangéliste qui s'appelle Gary Miller. Subhanallah, je l'avais lu il y a longtemps en arabe, quelques temps en arabe, et j'avais promis déjà dans mes premières interventions vidéo de vous la donner. Donc là aujourd'hui, je vais vous la lire. J'ai failli la traduire personnellement en français, mais alhamdoulilah, j'ai trouvé sur internet, donc je vais vous la lire. Donc il s'appelle Gary Miller. Il était membre actif parmi les prédicateurs chrétiens et dispose d'une vaste connaissance de la Bible. Cet homme aime énormément les mathématiques. C'était un mathématicien. Ainsi, il aime la logique ou la succession logique des faits. Un jour, il a décidé d'étudier le Coran afin d'y trouver des écarts qui renforçaient sa prédication aux musulmans pour se convertir au christianisme. Il a même promis à l'église, aux évangélistes, qui tire les ficelles, et leur a dit, je vais vous détruire l'islam, je vais vous trouver des failles dans l'islam, je vais vous ramener ça dans un plateau d'or, et vous allez voir, l'islam est cuit avec moi. Et c'est vrai qu'il avait fait des conférences avec Ahmed Deidat à l'époque. Donc regardez son évolution. Il s'attendait à trouver que le Coran est un livre archaïque, rédigé il y a 14 siècles, et parlant du désert et de sujets de ce genre. Cependant, il a été surpris en découvrant son contenu. Il a même découvert que ce livre contient des faits qu'on ne trouve dans aucun autre livre. Il s'attendait à trouver le récit de quelques événements critiques qu'a vécu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, telle la mort de son épouse Khadija, Allah l'agré, ou bien la mort de ses enfants. Cependant, il n'a rien trouvé de ce genre. Il est même devenu perplexe en découvrant qu'une sourate entière du Coran appelée Maryam, en parenthèse Marie, salue sur elle, parle d'elle, parle de Marie, la mère de Jésus, parle d'elle avec glorification. Alors que ni les livres chrétiens, ni leur Bible n'ont pu parler d'elle de la sorte. Toutefois, il n'a trouvé aucune sourate au nom de Aïcha, l'épouse de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou de Fatima, la fille la plus aimée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa fille, Fatima. Allah les agrée. Il s'est aperçu que Isa, Jésus, salut sur lui, a été mentionné 25 fois dans le Coran, alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a été mentionné que 5 fois. Ainsi, la perplexité de l'homme s'intensifia. Donc Gary Miller, il était étonné de tout ça. Continuons. Il s'est mis à lire le Coran avec méditation, espérant y trouver un quelque défaut. Toutefois, il a été sidéré par un magnifique et extraordinaire verset.
en l'occurrence le verset 82 de la sourate Nisa, les femmes. Il dit ce verset: ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Au sujet de ce verset, Dr Mélin affirme, entre guillemets, parmi les principes scientifiques connus de nos jours, figure de prince le principe de la recherche des fautes ou l'investigation des fautes jusqu'à preuve de leur exactitude. Il s'agit du test de falsification. Le plus étrange est que le Coran invite les musulmans et les autres communautés à essayer d'y trouver des fautes et qu'ils n'en trouveront jamais. Toujours à propos de ce verset, il dit: aucun auteur au monde n'a le courage d'écrire un livre et d'affirmer qu'il ne contient aucune faute. N'est-ce pas, les amis? En revanche, le Coran vous assure qu'il n'y a pas de faute. Il vous incite même à en chercher bien que personne n'en trouvera aucune. Parmi les versets qui ont également attiré l'attention de Dr Mila, le verset 30 de la sourate des prophètes, Al-Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toutes choses vivantes. Ne croiront-ils donc pas? Miller dit que ce verset est exactement l'objet de la recherche scientifique ayant reçu le prix Nobel le prix Nobel en 1973. Elle traitait de la théorie de Big Bang, laquelle stipule que l'univers tel qu'il est aujourd'hui est la conséquence d'une énorme explosion qui était à l'origine de sa formation en cieux et planètes. La masse compacte est un objet uni alors que la brisure est l'objet décomposé. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est les miracles scientifiques du Coran et de la Sunna. Lancez-vous, allez voir des merveilles. Dr Miller déclare: nous arrivons maintenant à la chose la plus formidable à propos de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, concernant la prétention que ce sont les démons qui l'assistent, alors qu'Allah Tout-Puissant nous dit: et ce ne sont point les diables qui sont descendus avec ceux-ci. Cela ne leur convient pas. Ils n'auraient pu faire, car ils sont écartés de toute écoute. Sourate les poètes. Al-Shu'ara. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Ça, c'est sourate les Abayin, Nahl. Voyez-vous cela? Est-ce la méthode du démon d'écrire un ouvrage? Il rédige un livre et vous dit qu'avant de lire le livre, vous devez chercher protection contre lui. Est-ce que ça, c'est le démon? Puisque pour pas mal de monde, on dit, à l'époque de Mohammed et après ces époques, ils ont dit qu'il a été assisté par les diables, par des mondes invisibles. Mais comment un diable peut écrire un livre et te demander de demander refuge, demander la protection de Dieu contre lui, contre celui qui a écrit le livre? Donc, Miller a trouvé ça, a dit ça. Ces versets font partie des aspects miraculeux de ce livre. Ils contiennent une réponse logique à toute personne qui prétendrait le contraire. Parmi les histoires ayant surpris le docteur Miller et qu'il considère comme des miracles, celle du prophète Mohammed sallam, prière et salut sur lui avec Abu Lahab, son oncle. Donc là, ma femme me dit comme ça, ça veut dire qu'il reste une minute. Déjà, nous sommes arrivés à la moitié du récit du docteur Miller. La moitié de ce récit, pour tous ceux qui vont voir cette vidéo, suffit pour qu'ils commencent à ouvrir leur cœur et leur cerveau pour embrasser la religion de tous les prophètes, la religion qu'Allah a voulu pour l'humanité. Et ce docteur Miller, devinez, il s'est converti ou pas? Ça sera la suite lors de la prochaine intervention, inshallah. Donc on s'est arrêté sur quelque chose qui a déstabilisé Miller, sur une histoire avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son oncle Abu Lahab. Phénoménal. Et il est, je pense, le seul qui a trouvé ça. Depuis 1400 ans, c'est Miller qui a trouvé cette chose-là dans la relation d'Abu Lahab et son oncle. Mais c'est phénoménal. Quand j'ai lu ça, moi, je tremblais de joie et de bonheur qu'il a vu ça avec sa logique mathématique. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Propagez cette vidéo, s'il vous plaît. Barakallahu fikoum.